Les gars, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo et aujourd'hui c'est le retour, sauf que aujourd'hui j'ai pas passé 3 jours à rien faire, il y a une grosse surprise et je vais vous annoncer ça bientôt. Du coup les gars, bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne YouTube, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Donc les gars, la surprise, c'est tout simplement que je suis pas resté à me tourner les pouces pendant 3 jours. Non, j'ai vraiment travaillé et j'ai fait un véhicule moi-même. C'est tout simplement ce magnifique VPS des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, je l'ai fait moi-même. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Car il est vrai que j'ai tout fait moi-même. Hein, j'ai tout converti moi-même. Enfin, sauf le véhicule, je l'ai récupéré. Mais le PMV, le panneau à message variable là-haut, il fonctionne. Il y a un triflash là-haut qui, lui, malheureusement, ne se lève pas. Mais qui fonctionne quand même. Des gyros rotatifs par moi-même aussi qui fonctionnent. Donc je vais vous présenter ça tout de suite les gars. Attendez, laissez-moi vous montrer déjà le tour du véhicule. Hein. Les gyros sont convertis par moi aussi. Donc je suis parti récupérer des pièces un petit peu partout pour tout simplement eh bien, les mettre dans le jeu. Donc j'ai eu énormément d'aide. Si je n'avais pas eu toute l'aide que j'ai eue, je n'aurais jamais réussi à faire tout ça. Donc regardez les gyros. Hop, du rotatif. Alors attendez, il faut régler ça. Ok, du rotatif. Hein. Ah mince. Hop, là. Donc regardez. Voilà, le seul truc qu'il y a dans la vraie vie et que je n'ai pas mis, ce sont les deux feux de pénétration que je n'ai pas réussi à mettre. Hein. Mais ça, les gars, je n'ai que 3 jours de modding et j'ai déjà réussi à faire ça. C'est déjà pas mal. Moi, je suis assez fier de moi. Et j'espère faire beaucoup plus dans quelques temps. Hein. Je vais m'entraîner énormément pour réussir à faire ça. Et on a déjà une première intervention, les gars. Et on part sur un accident de la route pour une personne percutée. Je vais déjà vous montrer le PMV avant. Donc, regardez. Hop, là, c'est le triflash qui s'allume. Voilà. Et regardez le PMV tout simplement. Voilà, accident. Et regardez, je peux gérer pour que ça fasse un coup PMV, un coup flèche. Là ça fait rien, mais un coup l'un, un coup l'autre. Après je peux mettre, enfin c'est vraiment super que ça et tout. Non vraiment c'est vraiment pas mal. Alors attendez, je vais paramétrer ça. Là c'est en fixe, non c'est en quoi là? Alors attendez, je suis en train de paramétrer ça, puis ensuite je vais sur mon inter. Là c'est quoi? Là c'est ça. Ok. Ok, bon allez les gars, je vais sur mon intervention, un accident de la circulation. Donc premier départ avec ce véhicule fait par moi-même. Honnêtement, j'ai dû y passer 45 heures. Donc c'est énorme. Quelqu'un, un modeur qui s'y connaît, lui, aurait fait quoi? Il aurait passé, je pense, 5-6 heures dessus. Après, je sais pas trop combien de temps... il faut pour faire un véhicule, mais moi j'ai passé au moins 45 heures à tester. Vraiment les gars, je me suis mais tué à la tâche. Allez, hop. Ah mince, j'ai fait partir un groupe de secours. Alors, je coupe ça les gars, et on part, il me semble que l'on part sur un axe rapide. Ok, c'est ici. Ok, très bien. C'est un vélo qui s'est fait percuter sur l'autoroute. On va se dépêcher d'y aller pour prendre en charge la victime. C'est là-bas. Ok. Faut pas s'énerver, on s'énerve pas. Du calme, du calme. Ok. Hop. Je fais un petit truc, c'est que je fais un stop trafic dans la zone. Je vais aller mettre des cônes, les gars. Alors, attendez, je vais mettre mes cônes de la façon comme ça. Allez là, passe. J'ai oublié d'en mettre un là. Et c'est ça qui va me poser problème si je ne le mets pas. Alors, j'ai la police qui est engagée, j'ai bien l'impression. J'entends un deux tons police nationale là. Ok, il y a la police qui se présente. Ok, super. Donc mon balisage il est fait mais n'importe comment vraiment.
Ce que l'on va faire, moi, c'est que je vais déplacer tout simplement mes personnes. Alors, attendez, je vais déjà voir ma victime. Je vais déjà aller faire un petit tour sur ma victime. Essayer de savoir ce qu'elle a et demander un VSAV rapidement pour elle. Ensuite, je vais réouvrir la circulation. Avec mon petit biseau, j'espère que les véhicules ils vont un peu suivre ce que j'avais prévu. Donc première intervention les gars avec le VPS, honnêtement je suis super content. Honnêtement moi je suis super fier, on va pas se mentir. Et Fracture Ribs. Allez. J'ai demandé un VSAV. Allez madame. Du coup ce que je veux faire moi les gars c'est tout simplement son véhicule à elle, le déplacer. Le mettre ici. Ok. Alors je sais pas combien de VSAV ils m'ont déclenché. Mais j'ai bien l'impression que c'est 2. Nous on va se mettre en sécurité. Ok superbe. Et je vais réouvrir la circulation. En slow down traffic. Pour au moins avoir un peu de circulation. Allez. Et la police là, qu'est-ce qu'ils font? Je vais rester là avec la victime, moi. On va attendre les VSAV. Hein. Je sais pas combien de VSAV ont été engagés. Avec les deux tons, là, on s'entend pas très bien, les gars. Hein. Donc, regardez le PMV. C'est magnifique. Ok, il y a un VSAV qui se présente ici. On a un premier VSAV. Oh là, elle va se faire shooter, ma victime, là. Oh, il y a deux VSAV qui ont été engagés, les gars. Deux VSAV. Je sais pas si vous entendez quelque chose là avec les deux tons partout, mais pour moi c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal on a un peu du mal à s'entendre. Oh mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont sérieux là? C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. On va attendre qu'ils arrivent là. Faudrait que oh là qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'elle revienne ici la petite dame. Ok, j'ai mon VSAV qui arrive. Allez, hop. Le VSAV se présente. Superbe. Salut, donc une personne percutée en vélo, percutée par une VL hein, sur un axe rapide. Je te laisse la prendre en charge. Hop là. Donc super. Regardez, petit VSAV par Taido, les amis. Une bête de guerre aussi son VSAV, j'adore. Allez. Madame, elle va monter dans le camion. Et eux, ils roulent tranquillement. Moi, les gars, je vais me préoccuper maintenant de... tout simplement... faire évacuer les véhicules. Normalement, ce n'est pas à moi de le faire, mais bon. Je le fais quand même. Hein. Ce véhicule-là. Hop, small pick-up. La femme, là. Madame. Madame, venez là. Je vais faire venir un taxi pour vous. Ils vont vous évacuer. Ok. Hop. Allez. Oh là les gars. LSPD FR a crash. Ouais, LSPD FR a crash. Ok. Bah c'est pas un problème. Ah mince. Bon alors. On fait un petit load plugin rapidement et je vais reprendre mon véhicule et on va directement rentrer à la caserne. Donc je pense que le fait qu'il y ait crash, c'est que ça a demandé plein de VSAV et tout, c'était le bordel. Ok. Hop. Un petit force duty. Et puis on est reparti. Je pensais pas que c'était possible de se faire percuter. Enfin si, tout est possible de toute manière à Paris. Mais de se faire percuter par un véhicule, enfin un AVP comme ça sur l'autoroute, c'est assez rare, on en fait pas tous les jours quand même. Ok super, donc nous les gars, retour, eh bien, disponible sur la caserne. Donc par où est-ce que je vais passer là? On va passer par ici, puis on va reprendre par là-bas. On va sortir de l'autre côté, donc regardez. Honnêtement, le véhicule il est quasiment conforme à la réalité. Le seul bémol, c'est que... sur la flèche
sur les triflashes là-haut, ce n'est pas un attention, mais un véhicule retourné pour signaler un accident, il est beaucoup plus gros. Aussi, il y a des feux de pénétration, et ce n'est pas ce Renault Master là, c'est la version d'avant, donc la calandre n'est pas la même, et le logo est directement imprégné dans le capot. C'est la seule différence qu'il y a entre le vrai et celui-ci, mais sinon, il est refait exactement à l'identique. Hop. Donc nous, on va rentrer tranquillement, les gars, eh bien, sur notre caserne. On va prendre à droite, là. Parfait. Et puis, c'est tout bon. On est de nouveau sur notre secteur, là, que je commence pas à bafouiller un peu en disant n'importe quoi. Bon, bah, un truc qui est compliqué, les gars, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à trouver des touches qui sont libres pour tout simplement, programmer mes modes. Par exemple, là, quand je faisais U pour demander un WC pour ma victime, ça m'en envoyait un deuxième avec Better EMS. Voilà pourquoi, ça m'a envoyé deux VSAV. Ouais, ils sont chauds. Je m'écarte d'eux, ils sont dangereux, là. Après, hop, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut demander une nouvelle intervention directement. Hop, donc on va demander quoi? On va demander un sévère véhicule crash. Est-ce qu'il m'a mis quelque part un point là? Ok les gars, donc je pars sur un nouvel accident de la circulation. C'est parti. Donc de nouveau, une deuxième intervention pour le véhicule de protection et de sécurité des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est parti, on s'engage, on va aller voir ce qu'il se passe. C'est à 800 mètres. Allez, on va essayer de se faire ça rapidement. Et pour moi, les gars, honnêtement, c'est une fierté. Vous imaginez même pas de jouer avec un véhicule que j'ai fait moi-même. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait moi-même. Mais si je n'avais pas eu les conseils de créateur 2018, enfin plein de personnes, de créateurs, de toute la com mode et tout, je n'aurais jamais réussi à faire ce véhicule-là. On va pas se mentir. Ok, alors, hop. Du coup, je réfléchis. Comment est-ce que je vais m'organiser, là? Je vais me mettre par ici. Ah, regardez. Aussi, nouveau véhicule de la BAC, les gars. Hein. Petite Renault Mégane 4. Alors là, je vais faire mon balisage. Je vais me mettre en tenue de feu, parce que j'ai envie de me mettre en tenue de feu. Comme je la mets pas souvent. Non. Ça, je vais le retirer, parce que pas besoin d'aéri, on a même... Je sais pas s'ils ont des aéri dans ces véhicules-là, moi. Ok, par contre, un petit casque, hein. Voilà. Attendez. Je vais changer ma veste. Voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, oh là, je range ça aussi. F5. Ah mince. J'ai lancé le mode sapeur-pompier. Bon. Hop. Je retourne sur mon accident. Oh là, oui, par contre, vous voyez, c'est compliqué hein, de s'en sortir avec tous les modes. Ouais. Hop là. C'est pas facile tous les jours. C'était F6. Hop, du coup, je fais un petit bisou comme tout à l'heure. Je vais rattraper le premier balisage qu'ils avaient fait, eux. Hop. Il venait comme ça. Ok, superbe. Alors, ah bah, il n'y a plus tous les véhicules. Alors, hop, pour moi c'est tout bon. Mon truc il est allumé, c'est parfait. Je vais aller voir ce qui se passe. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Hello, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Sauve, victime, remède. Merci. Ok, bah du coup, bon, il n'y a plus de véhicule, il n'y a plus rien. Je n'ai pas besoin de rester sur les lieux. Je vais mettre tout le monde sur le trottoir. Et puis je vais réouvrir la circulation. Ça sert à rien de rester là s'il n'y a plus de véhicule. Hein. Hop là. Du moment que tout le monde est sur le trottoir, j'ai pas besoin de faire un balisage. Allez, j'aimerais bien le prendre. Hop là. Parfait. Il me reste encore un officier. Et puis pour nous, ça va être un retour. On est juste à côté de la caserne, donc on a de la chance. Eh ben les gars, cette vidéo, c'est chaotique. Il nous arrive plein de péripéties là. Allez. Super. Du coup, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un N de colle. Ok, donc tout ça, c'est tout bon.
Moi, je vais retirer tous les signes de circulation. Et les gars, pour nous, fin d'intervention, on est en retour disponible sur la caserne. Est-ce qu'il y aura encore tous nos véhicules ou est-ce qu'ils ont décalé? Je ne sais pas, ça sera la surprise. Voilà, si je commence à arracher des panneaux avec le véhicule alors que c'est que son deuxième départ, je risque d'avoir de très très gros problèmes. On va tourner à droite. On se le permet de griller le petit feu rouge. Par contre, le stop, on s'arrête. Donc, il y a encore le fourgon. Et le SAV, il a décalé. Ça m'étonne pas. C'est une vraie boutique. Hop. On va se garer à l'extérieur. Allez. Superbe. On va faire un petit freeze véhicule pour éviter qu'il ne disparaisse. Et voilà. Donc, regardez. Honnêtement, je pense que c'est un des véhicules qui est le plus réaliste niveau sapeur-pompier de Paris. Ah, il est un peu abîmé ici, hein. Bon, c'est pas grave, bon. Petit coup de peinture. Mais regardez comment il est beau ce véhicule là. Je le surkiffe, bon, on va pas se mentir, hein. Magnifique. Après, il y a quelques petites choses à revoir. Regardez le PMV là-haut, c'est juste un écran noir, il y a vraiment plus aucun détail. Donc il faut que je règle ce problème là, ce sera fait rapidement, hein. Après, regardez tout ça là. Le côté, bah c'est ça, juste la calandre, c'est pas la bonne, hein. Sinon, c'est vraiment à l'identique. Le petit logo 1812, il est au milieu. Et la texture, elle est pas du tout optimisée. Regardez, elle est vraiment d'une mauvaise qualité comparée à celle du fourgon. Regardez. Il faut que je retravaille un peu ma texture. Mais sinon, c'est très très bien comme véhicule. Je n'ai même pas vu c'était quoi l'intervention qu'on nous a donnée là, en fait. J'aurais peut-être mieux fait de regarder plutôt que d'admirer le véhicule. Oui, qu'est-ce que j'ai fait là? Avec la petite écriture sapeur-pompier de Paris à l'arrière. Alors, attendez. Je vais, hop, demander s'il n'y a pas un petit accident. Quelque chose comme ça, hein. Je souhaite du mal à personne, hein. Je veux juste travailler un petit peu. Avoir des choses à vous montrer. Après, on peut être engagé sur plein de types de missions, hein, parce que ça, c'est l'équivalent du VSU et des véhicules de balisage dans tous les autres S10. Mais on peut être engagé sur un animal sur l'autoroute, sur une manifestation, on vient barrer tout simplement en sécurité. Après ça, dans la vraie vie, je sais pas si c'est le cas, mais moi, je le ferai dans GTA. Regardez, Rocks Blocking Road, ça marche pas malheureusement, c'est dommage. Mais on va voir si on peut pas avoir un autre petit accident. Agency Call Out. On peut pas avoir un petit motor vehicle accident. Regardez. Hop. Ok les gars, on part sur un AVP. Tout simplement, 160 mètres. Hop. On unfreeze le véhicule, tout simplement. C'est mieux pour décaler. Et c'est parti, on s'engage. Accident de la circulation. À 100 mètres, c'est devant la caserne quasiment. C'est AVP en aglo. Est-ce qu'il y a des incarcérés? Je ne sais pas. Alors je vais plutôt me mettre ici avec mon VSU, histoire que le balisage il soit un peu mieux effectué. Parce que là-bas, ils ont le temps d'arriver. Mais là, vu que c'est un carrefour, les gens ils arrivent comme des balles. Donc je vais me mettre là. Hop là. On va, hop, faire ça. Mettre un slowdown traffic dans la zone. Ok. Et mettre des petits cônes, tout simplement. Pour baliser. Hop. Alors. Ici, mon balisage, ça va être bon. De toute manière, il ne faut plus que les gens circulent. Je vais aller voir de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Donc, s'il commence à passer entre mes cônes, ça va pas le faire. Après, c'est compliqué de faire un vrai biseau sur GTA V parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes. Ok, donc j'ai une personne qui est incarcérée dans un véhicule. Je demande un VSAV sur place. Madame, bonjour, comment ça va, madame? Qu'est-ce qui se passe là? Allez, on se met en sécurité sur le trottoir. Moi, je vais aller chercher mon casque tout simplement parce que je suis censé avoir mon casque, je suis en tenue de feu.
C'est moi qui l'invente, hein. Sinon en réalité c'est pas du tout le cas, on n'est pas obligé de porter son casque. Mais c'est mieux, ça fait plus professionnel. J'ai un VSAV qui se présente là-bas. Alors madame, dites-moi ce qui s'est... Oh là, pardon. On va aller se mettre là-bas, madame. On va aller se mettre ici. Sur la route, plein milieu de la circulation. Bon, allez, on va pouvoir discuter tranquillement. Dites-moi ce qui s'est passé. D'accord. Hop. Ok, alors attendez, là j'ai mon VSAV qui est là-bas, qui me paraît bloqué. Bon, ok, ils y arrivent. Ok, le VSAV, il prend en charge la victime. Au niveau des véhicules, j'ai pas d'autres personnes incarcérées, pas besoin de demander un VSR. Là on est bon, là on est bon. On va attendre qu'ils finissent leur intervention, le VSAV. Puis nous on va remettre la circulation ouverte. Au niveau des véhicules, j'ai même pas de police qui est engagée, j'ai bien l'impression. Ok, la personne va être transportée par le VSAV, c'est très bien. Et honnêtement les gars, je suis super fier. Vous savez, c'est... Oh mince, excusez-moi madame. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir appris plein de trucs. Regardez, là je sais mettre des vitres et tout. Il y a pas mal de bugs sur le véhicule, hein, tel que le fauteuil qui est rouge. Mais c'est que le début. C'est que le début, ça va venir au fur et à mesure. Alors oui madame, je vais la faire évacuer aussi, parce que je vais pas lui la laisser là tout le temps. Madame, je vais demander une ambulance pour vous. Je demande un VSAV pour la petite dame aussi. Je crois qu'ils m'ont engagé un... Non, ils ont annulé. Ils m'avaient engagé un fourgon, mais ils l'ont annulé. Ils ont eu raison. Alors, moi, là, ce que je veux faire, c'est la circulation, là. La remettre disponible. Du coup les véhicules là je vais les foutre sur le trottoir. Le problème c'est que ce véhicule là il est trop bas, il passe pas sur le trottoir. Ok, parfait. Le VSAV, lui, fais le tour là, il y a mon balisage, je vais pas le retirer pour toi. Ah bah quoi que si les gars, je peux retirer mon balisage maintenant. Il y a plus de véhicule. Du coup, hop, all sign. Allez, on va se mettre sur une seule voie, du coup. On va laisser le VSAV arriver. Moi, je vais me mettre ici. Alors, attendez, je vais me mettre ici. Salut. Salut, alors du coup, ouais, AVP, une victime qui est déjà partie. Donc Davis Hospital, hein, ok, ça roule. Hop, il transporte la dame sur le CH Davis. Bah, j'ai bien l'impression qu'il ne l'emmène pas en fait là. T'oublies pas la victime quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais lui déplacer son VSAV. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va oublier la victime. Alors, ah oui, mince, son doton. Hop là. Allez, il emmène la dame. Allez, hop. On va attendre qu'il la transporte. Super. Allez, parfait, ça part. Pour nous les gars, c'est une fin d'intervention. Le véhicule de balisage est disponible. Je vais faire mon petit demi-tour avec mes gyros. Et on va rentrer vers la caserne qui est juste à côté. On a fait 3 interventions qui étaient pas mal. On a fait face à pas mal de problèmes, des petits bugs entre les modes aujourd'hui. Ça, ce sont des trucs qu'il faut, il faut s'en rendre compte. Donc il faut avoir les problèmes. Et ensuite, c'est des problèmes qu'on va résoudre. Ah, ok, bah le fourgon, il a pris la place du VSAV. C'est pas grave, de toute manière, le VSAV, ça fait 3 fois qu'on l'envoie aux urgences. Ok, super. Et regardez, j'ai même mis un petit haut-parleur sur le toit. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai converti moi-même, par contre. Hop là.
Et puis voilà, pour nous les gars, ça va être une fin de vidéo, donc une fin de garde. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce véhicule. Moi, je le surkiffe. Donc les gars, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Et pour le coup, la vidéo va sortir. J'ai arrêté de modder, là, demain, il y aura des vidéos, ça va reprendre. Je vais m'organiser comme il faut. Donc c'était Drixiz. J'espère que cette petite vidéo en sapeur-pompier de Paris, eh bien, vous aura plu, les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao, bye bye.